Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection du premier semestre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous soyez signe solaire, sagittaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette lecture peut vous concerner. Alors on va la faire comme on a fait les précédentes de projection, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Avec à la fin, je vous sortirai une carte conseil de l'After Tarot. Et puis, à la fin de la lecture, je sortirai 6 arcanes majeures concernant chacun des mois à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Et chacun de ces arcanes sera ensuite repris lors des lectures mensuelles. Voilà, après, on préparera donc l'extension de cette projection premier semestre que vous trouverez sur mon site internet alice-nicolas.com. Et à la fin de l'extension de la projection, là aussi, je vous sortirai une autre carte, un oracle, de l'oracle du tarot psychologique pour terminer donc cette projection. Voilà le programme. Alors, on est parti, on y va. Donc, Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. La situation d'aujourd'hui, actuellement, vous avez la 2 de denier. Alors, 2 de denier nous explique que vous êtes dans une situation qui n'est pas très clairement établie. C'est-à-dire que vous avez peut-être le choix, vous avez deux options. Chacune de ces options pèse pesant d'or, on pourrait dire, et vous hésitez entre ces deux options. Il peut s'agir aussi de deux personnes qui représentent chacune une certaine quantité ou une certaine qualité de valeur qui sont aussi importantes à vos yeux l'une que l'autre. Il peut s'agir de deux propositions, de contrats, de deux options, de projets, voilà. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir de peut-être quelques petites difficultés à clôturer les fins de mois. Les deniers représentent, vous le savez maintenant, tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Ça inclut bien sûr l'argent. Ça peut vouloir aussi nous expliquer que vous êtes obligé cette fin d'année de jongler plus que d'habitude avec vos finances pour arriver à boucler vos fins de mois. Mais je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus l'impression que c'est presque deux chemins différents qui se présentent à vous et vous hésitez sur le chemin à suivre. On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, la position ici, c'est ce que vous laissez de 2021. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous de cette année 2021 et vous laissez les amants. Ok. Bon, ben, je crois que le message est assez clair. Pour certains d'entre vous, vous pouvez laisser un foyer derrière vous, un mariage, une union, un partenaire, un amour que vous laissez derrière vous. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. Et puis, pour d'autres d'entre vous, ceux par exemple qui n'étiez absolument pas dans une relation amoureuse, ceux d'entre vous Sagittaire qui étiez seuls, ce que vous pouvez éventuellement laisser à travers cette carte des amants, laisser derrière vous de l'année 2021, c'est peut-être une façon, une partie de vous. Là, je m'explique. Les amants, moi j'aime bien voir cette carte comme le reflet de soi-même. C'est comme si en fait, à travers les yeux d'un amant, d'un amoureux, de quelqu'un d'amoureux en face de soi, on a le reflet de qui on est. Lorsqu'on est seul et qu'on se regarde dans le miroir, on a ce même reflet. Authentique, vrai, nu, dépossédé de toute forme d'artifice. Donc il n'est pas impossible, hein, vous le placez dans ce que vous vivez, il n'est pas impossible que certains d'entre vous avaient peut-être fait une espèce de parcours ce mois, cette année 2021, un parcours de découverte de qui vous êtes véritablement, vrai, l'authentique vous, et que l'autre vous, celui qui avait des artifices, vous le laissiez derrière vous en 2022. C'est possible aussi. Tout le monde se trouve dans une situation, dans une configuration différente, d'accord? Il y a les cartes, ce qu'elles peuvent nous apprendre, mais il faut aussi toujours prendre la symbolique. Donc, si ce n'est pas un partenaire, un partenariat, un foyer, ça peut être une partie de vous, un aspect de vous
dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous est plus utile ou que vous n'aimez plus et que vous laissez derrière vous. Mais moi, pour moi, ça sent le virage. Ça sent, il y a un coude là avec cette 2 de denier. On va voir, on continue. Ici, on a vos ambitions et vos projets pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on a en 2022? On a le chevalier d'épée. Ok. Alors, le chevalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les chevaliers. Il est fulgurant. De ce fait, il symbolise tout ce qui est communication, message, coup de fil, lettres et Internet. Donc, dans les ambitions, les projets, logiquement, on peut voir naître un projet qui a cette notion de rapidité, un projet via Internet, un projet qui va nécessiter la fluidité et la rapidité d'Internet, ou une communication aussi fulgurante que celle qu'on puisse trouver à travers nos mails, des choses comme cela. Ça peut vouloir dire qu'au cœur d'un projet, vous mettez Internet. C'est possible. Maintenant, il est possible aussi, étant donné sa rapidité, que le projet que vous ambitionnez, ici l'idée que vous avez à développer sur l'année 2022, peut se développer d'une manière beaucoup plus fulgurante, beaucoup plus rapide que ce que vous avez imaginé. Vous pouvez aussi tout simplement prendre votre métier actuel et le modeler de manière à ce qu'en 2022, il soit compatible avec la rapidité d'Internet. On peut le voir comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a un projet ici qui implique une forme de rapidité, voilà, ça traîne pas, ça va vite. Ça peut être professionnel, mais ça peut être tout autre chose aussi. Si vous voulez déménager ou changer de maison, ça peut être un projet qui verra le jour beaucoup plus rapidement que ce que vous imaginez. C'est possible aussi. Ok? Ici en bas, on a les actifs ou au contraire ce qui vous manque pour établir ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a là en bas? Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a là en bas? On a la 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, son énergie est... Regardez l'image et vous avez compris. On a quelqu'un ici qui a ramassé toutes les épées de ses concurrents et qui s'apprête à partir en catimini, ni vu ni connu, histoire de porter un coup fatal à l'ennemi. D'accord ? Il fait ça sans être vu. C'est une manigance, c'est un peu sournois, c'est un peu de manipulation, c'est je joue un peu avec le feu. Je fais ce qu'il faut, mais un petit peu sans qu'on me voit, pas vu, pas pris. D'accord? C'est un petit peu de cette énergie-là. Alors, dans vos actifs ou dans ce qui vous manque, on peut considérer, moi je le prends comme un manque, on peut considérer que votre projet manque peut-être de clarté. Il manque peut-être d'authenticité. Il y a peut-être quelque chose, en fait, où vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas clair, soit avec vous-même, soit avec d'éventuels partenaires. Si, imaginons un instant, que ça concerne partir de son foyer, hein, comme on l'a vu ici avec les amants. Bon, vous préparez votre sortie, on va dire, en douceur. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Si vous avez un projet d'ordre professionnel très, très personnel, hein, très individuel, et que vous êtes actuellement en poste, on peut supposer que votre projet, pour qu'il puisse voir pleinement le jour, va nécessiter que vous partiez de... En fait, ce que ça veut dire, c'est que votre directeur, aujourd'hui, vos employeurs, ne savent pas que vous êtes en train de préparer un projet individuel. Hein? Vous comprenez? S'il y a un manque de clarté dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Bon, pour l'instant, ça peut être une mise en place nécessaire pour que votre projet aboutisse, mais à un moment donné, il va falloir en parler. Parce que le lendemain matin, quand l'ennemi, entre guillemets, ou l'autre, le partenaire, va se réveiller et qu'il va voir qu'il a plus toutes ses épées et que vous, ben, vous avez quitté la maison, ça va pas lui faire bien plaisir. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, la vérité va éclater. Peut-être que pour l'instant, vous essayez de gagner du temps, ok, pas de problème, mais à un moment ou à un autre, ça va éclater.
On continue. Ce qu'on a ici, c'est une idée de réalisation sur l'année 2022. Le premier semestre, que porte-t-il en réalisation? 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, 5 de bâton, c'est pas si mal. Je vous explique. Tous les 5 symbolisent le désordre. D'accord? Le chaos. C'est le chaos. C'est le bazar. Ben oui, forcément. Tu m'étonnes. Imaginez un partenaire qui se réveille, vous n'êtes plus là. Bon, voilà. Hein. C'est le chaos. OK. Mais c'est votre lecture. Donc, de votre point de vue, c'est un chaos nécessaire qui vous prépare à quelque chose de plus triomphant. D'accord? C'est un chaos que vous provoquez, certes, parce que vous avez besoin de prouver votre valeur. Le 5 précède le 6, ça vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir, mais le 6 de bâton nous parle de succès. Donc en quelque sorte, vous êtes en train de préparer le terrain pour votre succès futur. Vous vous préparez à rencontrer le succès parce que vous avez osé remettre en cause un ordre qui était établi. Vous avez osé remettre en question quelque chose qui était établi. Certes, pas d'une manière très franche, il y a peut-être des raisons à ça, on n'est pas là pour juger de toute façon, mais vous avez retourné la terre parce que vous vous apprêtez à récolter le fruit de tout ce chaos. Et ce chaos est selon vous nécessaire. 5 de bâton nous parle aussi de concurrence. Imaginons que vous êtes sur un contrat de travail et qu'il y a 4 personnes différentes sur ce même contrat de travail. Bon, vous mettez toutes les chances de votre côté, vous vous préparez à faire front à la concurrence parce que vous voulez ce succès. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'hésitez pas à remuer ciel et terre, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches, vous n'hésitez pas à apporter une forme de désordre dans un ordre établi parce que vous voulez le succès qui vient après ça. Ok? Ça, c'est en fait l'état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit conquérant. Conquérant. Ok. Bon, on continue. Petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? Petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? On a... Ah, 5 de denier. C'est le conseil. D'accord? 5 de denier, c'est l'énergie du rejet. Rejet et abandon. Alors, est-ce que vous sentez rejeté et abandonné et vous faites ça pour rééquilibrer la situation, c'est possible. Ou est-ce que vous vous sentez obligé de laisser quelqu'un derrière vous, que ce soit un patron, un partenaire, parce que vous avez une autre vision de votre vie. Je vous rappelle que c'est le conseil. D'accord? Conseil, il est dans l'abandon, il est dans le rejet. Alors, de quelqu'un ou quelque chose, soit, on comprend, et c'est comme ça que je le lis, je suis désolée, mais pour moi, vous devez laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un derrière vous parce que vous êtes sur un tout autre chemin, un chemin de succès, mais qui nécessite que vous preniez certaines responsabilités, notamment celle de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. 5 de denier peut aussi nous expliquer que vous devez prendre peut-être le risque d'être un peu juste en termes de finances parce que justement, c'est ce qui va vous propulser vers le succès ici, vers autre chose. Parce que quand on manque d'argent, forcément, on met en place ce qu'il faut pour en gagner à nouveau et c'est ce chemin-là qui va vous mener vers le succès. D'accord? Donc, ça peut, dans un premier temps, c'est ce qui expliquerait en fait un petit peu ce jonglage au niveau financier si c'est ça. Je vous rappelle que c'est le conseil. Je dis ça, je dis rien. Bon, on va voir, on continue. Alors, maintenant, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier pour vous, amis Sagittaires? On a l'empereur. L'empereur peut nous parler d'une personne du signe du bélier. Mais l'empereur, il est surtout ici. Il peut aussi nous parler d'un patriarche ou d'un patron, de quelqu'un qui est un petit peu autoritaire comme ça. Il peut aussi nous expliquer en fait que vous reprenez le contrôle des choses. Et sciemment, vous mettez ça en place parce que vous comprenez que votre chemin se trouve ailleurs. Au mois de février, on a
La lune. La lune peut nous parler du signe du cancer ou du signe du poisson. La lune nous parle aussi du cycle, d'un cycle lunaire. Donc, il y a peut-être un mois de battement ici. Mais la lune, elle nous parle aussi surtout d'une situation où, en fait, on ne voit pas trop le contour, on ne voit pas trop le détail de là où on avance. Ça peut être une période où on est un petit peu, voilà, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais on sait qu'on y va, voilà. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on sait qu'on y va. Au mois de mars, on a Confucius, le jugement, la renaissance, le réveil. Ça y est, en mars, on est debout, on est à fond et on est boosté à fond pour aller vers quelque chose. Avril, la justice. Eh ben, on est boosté à fond pour aller se rendre justice. Il y a, même s'il y a une période de flottement, il y a tout de suite un... on se secoue derrière. En mars, on va se secouer. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas vivre une injustice et on veut rééquilibrer les plateaux de la balance. On va aller chercher cette justice. Il peut aussi, ici, s'agir d'une décision que vous prenez, hein, entre mars et avril. Une décision, comme la justice, vous tranchez, vous prenez une décision. Peut-être celle-ci, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être lié à ça. Ça va beaucoup plus vite parce que vous décidez que ça y est, c'est bon. On verra. Et au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a l'ermite. Ok, on va chercher un petit peu des réponses à ces questions. Il y a de l'introspection. Le sage en vous se réveille pour peut-être trouver quelques réponses, quelques explications, quelques éclaircissements ici en mai. Et en juin, on a le soleil. Ça y est. Alors, il y a une petite période de flottement qui va commencer en janvier. Vous commencez à booster à fond. Pas de problème, c'est le début de l'année, je suis à fond. Ça commence au mois de février. On est parti, mais on voit pas où on met les pieds. On marche un peu sur des œufs. En mars et avril, ça y est, on est à nouveau confiant dans le chemin qu'on prend. On pense qu'on est en train de se rendre justice. On pense qu'on est juste. C'est fort possible ou pas possible, je ne sais pas. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai. Je parle de l'état d'esprit. Et par contre, alors au mois de mai, c'est comme s'il y avait une petite pause et vous revenez en arrière en digérant tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez fait et en essayant de mettre des mots sur ce que vous avez vécu. C'est un petit peu la période calme durant laquelle vous allez pouvoir digérer tout ce qui s'est passé précédemment. Et tout ça va vous amener vraisemblablement à vous rendre compte que vous avez pris le bon chemin parce que vous avez le soleil au mois de juin. D'accord ? Je ne sais pas ce que ça peut concerner. Ça peut concerner tous les domaines, professionnels, sentimental ou votre vie d'une manière générale. Mais ça passe par cette responsabilité de laisser quelque chose qui avait de la valeur à vos yeux, le laisser derrière vous. Parce que on est dans un virage et il faut le prendre. Ça, vous savez très bien qu'au bout, vous avez l'énergie, le courage et la force d'aller chercher ce succès que vous voulez tant. D'accord ? Mais il y a tout ce cheminement qu'on va développer mois après mois. On verra ça au fur et à mesure. Alors maintenant, on va donc préparer notre extension avec tout ça. On pousse ça, on ramène ça ici. Voilà, alors, hop, ça on va le mettre comme ça pour pas confondre avec les autres, voilà. Allez, on est parti, donc 2 de denier ici dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton, oui, vous tournez le dos au passé, voilà, c'est clair, d'accord? Il y a une hésitation à un moment donné et puis on se lance, on y va. Ce que vous laissez de 2021 derrière vous, les amants et le magicien. Le magicien, ça peut aussi être cette capacité à déguiser la réalité, à vouloir voir quelque chose de magique dans une relation alors qu'en fait, il n'y a plus rien. Ça peut être ça aussi. On verra, hein, on va développer tout ça. L'ambition, les projets, ici avec le chevalier d'épée, on a la 6.
d'épée, départ. Et ici en bas, 7 d'épée dans les actifs, au contraire, ce qui vous manque, on a le fou, on a déjà le nouveau départ. Donc ça sent clairement le départ. À quel niveau, je ne sais pas, mais très clairement, ça sent le départ. Voilà, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, mais alors sans hésiter. Hein. Et là où vous allez, eh ben, vous allez vers le pape. Vous allez vers la foi, la légitimité, la solidité, l'ancrage et le long terme. Voilà, mes chers. Bien, et regardez là-dessous ce qu'on a, l'as de bâton. Nouveau départ, ok? Alors, allez voir d'abord votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ensuite, merci de partager, de liker et de surtout laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. C'est toujours intéressant de voir comment les autres signes se comportent dans des messages comme celui-ci. Et puis, ceux qui se sentent concernés par l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors directement dans la rubrique hors-série de mon site internet. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il en soit, pour le mois de janvier où on va développer cet empereur, savoir comment, quelle signification, quel impact il a pour vous au mois de janvier. Dans les vidéos qui sortiront le 25 décembre, oui, bien sûr. D'accord ? En attendant, passez un excellent mois de décembre et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt.